kiss. It doesn't make sense to anybody else who cares. If you're all I think about, I've searched the world and I know now it ain't right. If you ain't lost your mind, yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, je reviens aujourd'hui pour vous faire un In My Mailbox spécial brocante. Au début je pensais accumuler tous mes achats sur les brocantes de ce mois de septembre, mais au final j'ai une belle petite pile là déjà pour deux week-ends de brocantes. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo et puis je vous en ferai une autre si jamais j'achète encore des livres. Donc sur ces brocantes. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même une belle petite pile à vous montrer. Donc les premiers livres que je vais vous montrer, ils ont été achetés sur une des plus grandes brocantes qui se fait dans ma ville, qui s'appelle La Fête à Carottes. Je crois que je vous en ai déjà parlé l'année dernière et je fais souvent de belles trouvailles sur cette brocante. Donc comme tous les ans, je m'y suis rendue et voilà, j'ai encore trouvé plein de petites merveilles. Donc tout d'abord, j'ai trouvé Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zévin. Donc je savais pas vraiment de quoi ça parlait et j'ai lu aucune chronique sur ce livre, mais j'ai tout de suite été attirée par la jolie couverture. Elle est vraiment vraiment très très belle. Donc c'est l'édition de chez France Loisir et j'ai vraiment craqué pour cette couverture. Et d'ailleurs je l'ai commencé hier, je suis en train de le lire, donc voilà, petite exclue pour ma lecture en cours. Et donc voilà, je viens tout juste de le commencer. Ça a l'air d'être une petite romance vraiment très très sympa à lire et c'est carrément ce qu'il me faut voilà, pendant cette période de cours, surtout que nous, Olivier, on a repris sur les chapeaux de roue et j'ai déjà la tête pleine de travail. Donc voilà, un petit livre comme ça, c'est vraiment très très sympa. Ensuite, un autre livre de poche, donc Vampire et célibataire. Donc le tome 1 de la saga Queen Bestie de Mary Janice Davinson. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup 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 parler. Je lis plus beaucoup de livres de vampires. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu d'ailleurs. Oui, maintenant je pense à ça. Et donc voilà, la jeune fille qui... j'ai eu presque tous mes livres sur le même stand. Et franchement, si j'avais eu encore plus de sous, je crois que j'aurais presque tout pris. Parce qu'elle avait toute la saga de Queen Misty en entier. Il y avait aussi plein de sagas bitlit de chez Milady. Mais voilà, je me suis raisonnée, de toute façon j'avais plus un centime dans mon porte-monnaie, donc comme ça c'était réglé. Mais j'ai pris celui-ci parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup parler, il paraît que c'est très drôle. Et voilà, je me dis aussi qu'en période de cours, rigoler un peu le soir quand on revient de cours ou quand je reviens de stage à l'hôpital, ça peut toujours faire du bien. Ensuite, on passe au grand format, donc pareil chez la même vendeuse. J'ai pris Chaman, donc de Pissycast. Pissycast qui est l'une des auteurs aussi de La Maison de la Nuit. Et donc voilà, alors il m'a tout de suite intriguée par sa belle couverture aussi et par son résumé. Oh, j'ai du mal. Et donc voilà, il m'a vraiment intriguée par son résumé. Et ce n'est que en rentrant à la maison, en le rentrant sur ma pâle livre addict, que je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Donc voilà, la grosse bourde, mais bon c'est pas grave, je pense que je vais pouvoir me procurer le tome 1 en e-book, pourquoi pas, mais si vous avez le tome 1 en e-book, quoi que ce soit, dites-le moi. Donc voilà, mais en tout cas il me tente beaucoup et je trouve la couverture très très jolie. Ensuite, on va continuer toujours chez la même vendeuse, donc j'ai trouvé Ne jamais tomber amoureuse, donc de Mélissa Mar, qui me tentait aussi beaucoup, mais depuis un certain temps. Et donc voilà, en plus je les trouve encore une fois très très beaux. Donc voilà, et il y a aussi ce tome là, donc Ne jamais t'embrasser, toujours de Mélissa Mar. Et pareil, totalement prise dans ma frénésie de voir des livres partout, j'ai fait ma gourde et c'est le tome 3.
Donc le gel tome 1 et le tome 3 et pas le tome 2. Mais c'est pas grave parce que je crois que j'ai une amie qui les a en e-book. Ou sinon c'est pas grave, je me procurerai le tome 2 en e-book. C'est vraiment vraiment pas bien grave. En tout cas tous les livres que je vous ai montrés, je suis super contente parce qu'ils sont en très très bon état. À part celui-ci que d'ailleurs elle ne m'a pas fait payer parce qu'il est vraiment tout abîmé sur les côtés. Bon voilà, c'est très très gentil de sa part, mais il est vraiment vraiment abîmé en fait à la fin. Là, vous voyez les pages sont toutes tachées, donc c'était très très gentil de sa part de me l'avoir laissé gratuitement. Parce que c'est vrai que quand on, même si c'est sur une brocante, moi j'aime pas trop acheter des livres vraiment très 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 abîmés. Ensuite sur d'autres stands, j'ai trouvé La Malédiction de Holdhaven, donc de Fabrice Collin, qui est pareil, très très beau. Je trouve, en fait, tous les livres que j'ai achetés, là, je trouve vraiment les couvertures très très belles. Celui-là, il est vraiment vraiment très très beau. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Le résumé me tend pas mal du tout. Ensuite, un autre livre, donc c'est Quand tu n'étais pas là, de Laura Bloom. Donc je lis très très peu d'habitude de lecture contemporaine. C'est vrai, je suis très très... fantastique, dystopie, un peu de romance, un peu de chiclite, mais c'est vrai que les lectures contemporaines, à part Marc Lévy, Guillaume Musso, Daniel Glatower, parfois Amélie Nothomb, et encore ça fait très très longtemps que j'en ai pas lu, je crois que ça va faire un an. Voilà, je lis vraiment très très peu de lectures contemporaines. Et celui-ci, il m'a attirée par sa couverture, par son résumé, et je crois, je ne suis pas sûre et j'ai pas été vérifiée, que Claudia de Lecture de Livres en a parlé. Donc voilà Claudia, si tu l'as lu, je vais aller voir sur ton blog parce que je crois vraiment que je l'ai vu dans une de tes vidéos. Donc voilà, mais il me tente vraiment pas mal, le résumé me tente beaucoup. Et ensuite, donc le dernier livre de cette brocante, c'est La Couleur des Sentiments de Catherine Stockett. Donc, dont j'ai vu le film, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, et voilà, quand j'ai vu le livre, je me suis dit que ça me tentait bien. Donc voilà, une grosse 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 brique là qui est sûrement ce genre de livre qui va m'attendre jusque les vacances prochaines qui sont en décembre pour moi. Donc voilà pour cette première brocante. Et ensuite ce week-end j'ai été donc encore me promener sur les brocantes, j'ai fait un peu moins de trouvailles, il n'y avait pas grand chose. Mais j'ai quand même réussi à trouver deux petits livres, dont un classique. C'est super super longtemps que j'ai pas acheté de classique. Et donc là je me suis trouvé Roméo et Juliette, donc de Shakespeare, que je n'avais jamais lu. J'ai vu plein de films, j'ai vu des pièces, mais j'ai jamais lu la pièce, parce que, oui ça c'est la pièce. J'ai jamais lu la pièce de théâtre, donc voilà j'avais très 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 envie... de le lire. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite Le Clou du Spectacle, parce que celui-là je suis vraiment très 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 heureuse de l'avoir trouvé, parce que c'est un livre qui coûte assez cher. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ou 3 ans, et ça fait partie de l'une de mes sagas chick lit préférées. Donc normalement je vous aurais posté une vidéo où je parle de cette saga, enfin un petit peu de cette saga, juste avant cette vidéo aussi. Donc normalement voilà, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Donc en fait il s'agit de 4 filles et un jean pour toujours, donc d'Anne Brachard, donc qui est le dernier tome de la saga 4 filles et un jean. 4 filles et un jean, c'est l'une de mes sagas chick lit préférées que j'ai lues quand j'étais au collège. Et quand l'auteur a sorti ce tome final pour clôturer après longtemps quand même, après la sortie du tome 4, eh bien j'ai pas pu me l'offrir parce qu'il coûte quand même 18 € à la base. Donc voilà, il est vraiment très cher. Mais là je l'ai trouvé, je suis très 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 contente. Et en plus je l'ai vraiment payé un prix dérisoire. Au début la dame en voulait un peu plus, mais en feuilletant le livre je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait vous avez tout... Je vais pas trop vous l'ouvrir parce que sinon ça va s'abîmer. Mais je pense que vous voyez, vous avez toute la première partie qui est complètement en train de se décoller. Alors c'est vrai. Bon, très 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 dommage, ça me fend le cœur parce que moi j'aime pas du tout voir les livres dans ces états là. Je me demande toujours comment on peut faire pour casser un livre comme ça. Je comprends pas, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai fait baisser le prix parce que c'est vrai que je trouve qu'elle en voulait assez cher pour une brocante. Et pour en plus voilà,
le fait qu'il soit vraiment abîmé, en tout cas à l'intérieur. Et donc voilà, elle a fini par me baisser le prix, donc au final je suis vraiment très très contente de l'avoir, je vais pouvoir le lire. Et puis je vais quand même essayer de le réparer, parce que ça c'est vrai que ça me perturbe beaucoup, j'ose pas du tout l'ouvrir, mais pour le lire, bah, il va bien falloir que je l'ouvre. Donc voilà, c'est tout pour ce petit in my mailbox, entre guillemets, parce que ça fait quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout que j'ai pas acheté de livres cet été. Ou très peu, je crois, début juillet, je vous avais fait une mail box parce qu'il y avait eu quelques petites brocantes. Mais sinon, j'avais pas du tout acheté de livres. Maintenant, c'est vrai que mes achats se concentrent essentiellement sur les brocantes. Parce que voilà, en tant qu'étudiante, je suis pas payée pour aller à l'école. Hein. On n'est pas encore payée pour aller en cours. Donc voilà, mais c'est vrai que les brocantes, c'est vraiment le bon deal pour avoir des bouquins vraiment, vraiment pas chers. Là, je sais pas pour combien à peu près j'en ai eu pour tous ces livres. Mais vraiment, vraiment pas grand chose du tout. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que les nouvelles vidéos que je vous publie en ce moment sur ma chaîne vous plaisent. Je pense que vous l'avez compris aussi, ou je crois que vous l'avez déjà dit, mais ce sont des vidéos que je préfilme. Comme celle-ci par exemple, là je vous la filme maintenant, on est mercredi 11 septembre. Mais vous l'aurez pas sur la chaîne tout de suite, je pense que vous l'aurez peut-être dans une semaine, dans 15 jours. Mais voilà, comme ça moi ça me permet de vous tourner des vidéos de temps en temps quand j'ai le temps et de vous les publier en différé sur la chaîne. Comme ça il y a toujours de l'animation sur la chaîne, il y a toujours des articles sur le blog et je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et c'est une organisation qui me plaît plutôt bien pour cette nouvelle année. En tout cas, moi, ça me convient. Et j'ai l'impression que ça vous convient aussi, puisque mes vidéos ont l'air de vous plaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Normalement, vous en avez une aujourd'hui, vous en aurez une mercredi prochain et encore une mercredi d'après, si tout va bien. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, sur le blog pour des chroniques et puis aussi sur Facebook le week-end dès que j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, je vous fais à tous de très 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 gros bisous, passez de belles semaines, bon courage pour les cours, pour le travail ou pour tout ce que vous voulez. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye.